Jodia, c'est célébration journée internationale moun ki handicapé. Haïti classé dans 163e place dans indice perception pour corruption. Gen exposition zèv artistique dans consulat Haïti qui dans Miami. Yon go bonsoir tout moun, nous sous planète Haïti, c'est un plaisir pour moi présenter nous édition nouvelle jeudi mardi 2 décembre 2013 là. Dans l'occasion journée internationale moun ki handicapé yo, jodi mardi 3 décembre nan, n'a présenté Wilmark Jean, yon moun kap viv ak yon sel pied mais kap goumen pou reyisi la vie li malgré handicap sa. Oui, za petit Antoine ak Spenson Jeune. La vie a pas de facile pour Wilmark Jean après elle te fin perdi yon pied li pendant gros tremblement de terre qui te frappé pays a 12 janvier 2010 là. Li te nan ancien local faculté linguistique appliqué a côté li t'ap étudier pendant événement te passé. Ak et famille et puis ami li petit petit li reprend confiance dans tête li. T'as imaginé me dit que comment on va vivre et avec un handicap et pays d'Haïti pays qui difficile, on te gen pile problème. Wilmark Jean gen 29 l'année. La vive kay parent li. Li dit il passé plus passé 3 l'année à chercher travail li pa joine. Pour lui, c'est parce qu'il manque un pied. Ça pa gen longtemps, li joine travail dans service clientèle dans une chaîne de télévision dans capitale là. Lycée professeur tout. Normalement, moi travaille dans service à la clientèle, moi relais client, moi fais recouvrement tout et que en gros c'est ça travail là. Dans occasion journée internationale monde qui handicapé yo, jeune garçon ça encourager tout monde qui vit avec un handicap et puis qui désespéré pour reprendre confiance dans eux-mêmes parce que la vie pas fini pour yo. Quoi dans tête tout malgré que vous frappez de un handicap. Ce n'est pas un handicap pour le déterminer vraiment, ça oui. Mais c'est ça que vous gagnez en termes de valeur, de connaissances, qui va permettre de franchir l'étape, qui va permettre de surmonter les barrières. Journée internationale moun ki handicapé a célébré depuis l'année 1992, chaque 3 décembre. Dans l'objectif pour favoriser l'intégration dans la vie politique, sociale et économique pays côté à vivre là. Dans le pays d'Haïti, il y a environ 1 100 000 personnes qui vivent avec un handicap physique ou bien mental, d'après chiffre Organisation mondiale santé cité dans l'année 2012 qui s'est passé là. Malgré l'existence d'un bureau dans le pays qui prend en charge les gens qui sont handicapés, il n'y a pas un pile qui intègre le marché de travail là. Dans le dernier indice perception pour corruption que ONG Transparency International publie aujourd'hui, Haïti est dans 163e position sur 177 pays. Haïti est classé 163e sur 176 pays année qui passe. Mackinson Talleyrand. 163 sur 177, ça veut dire Haïti c'est un dans pays qui considéré qui trouvé parmi ça qui pi corrompu dans monde là. Indice perception pour corruption a classé tout pays en fonction des degrés de corruption yo joine dans administration publique yo à classe politique yo. ONG Transparency International concentré plus sur corruption qui gagne dans secteur public là. Transparency International la défini corruption tant qu'elle a abusé fonction publique yo pour enrichir besoin personnel. Depuis 1995, Transparency International publie indice perception pour corruption. Sondage utilisé pour réaliser indice perception pour corruption gain rapport avec abus pouvoir officiel dans intérêt personnel. Par exemple, corruption fonctionnaire l'état yo, l'agent sale dans cadre marché public yo, détournement l'argent l'état yo, ak question qui pour fournir garder qui gens bon lit politique a fait pour combattre corruption. Corruption qui dans administration publique là ak politique là. Avec indice perception pour corruption, tant que yon pays gain un score qui tout près zéro, lycée un pays qui gagne en pile corruption et tant que un pays gagne un score tout près 100, lycée un pays qui presque pas gagne corruption. Pays yo classé dans l'ordre ça qui gagne score qui pi goa rivé dans ça qui gagne score qui pi piti a. Par exemple, pays Danemark rivé dans tête comme pays qui presque pas gagne corruption avec un score 91. Somalie classé lui-même en 175e avec un score 8. Haïti dans 163e place avec un score 19. République Dominicaine rivé en 123e avec un score 29. Pays les États-Unis classé 19e avec un score 73. Canada dans 9e place avec un score 81. D'après Transparency International, indice perception pour corruption 2013 là servi comme un appel sur abus pouvoir, sous deal cap fait en secret
et corruption qui a ravagé société à travers le monde. Aucun pays pas gagné un score parfait. Deux tiers dans tout pays yo gagné un score qui pipiti passé 50. Ça qui veut dire gagné un gros problème corruption grave dans tout monde là. D'après autre rapport ça yo, monde là besoin faire gros effort en urgence pour combattre blanchiment l'argent, mettre l'ordre dans financement politique yo, poursuivre restitution bien à cob yo volé yo et puis construire quelques institutions publiques qui plus transparent. Dans l'objectif pour assurer la sécurité population dans l'occasion fête fin d'année, le gouvernement haïtien a annoncé lundi 2 décembre l'élaboration d'un plan sécurité. Plus précision à Kouidza Petit Antoine et puis Mackinson Talleyrand. C'est le secrétaire d'État sécurité publique là, Reginald Delva, qui fait annonce à LNDIA pendant qu'il lance une campagne qui baptise Sotinan informel là. Étant donné en pile dans les violences qui enregistrées dans Port-au-Prince, ces chauffeurs moto qui commettent yo, gagnons attention spéciale y a bas circulation motocyclette yo dans cadre élaboration plan sécurité ça. Secrétaire d'État sécurité publique là, mandé moun k'a fait transaction dans banque yo pour rester vigilant pour éviter victime action bandi yo. Surtout dans période fête fin d'année yo. Reginald Delva annonce tout, gagnons ensemble mezi k'a prend dans façon gaz propane à vendre et puis façon y a transporter yo. Ça qui représente gros menace pour sécurité moun d'après ça dit. Plusieurs artistes haïtiens pral participer dans Hot Basel Exhibition qu'a fait Miami sorti 3 pour arriver 6 décembre 2013. Marie-Yasmine Desilas et James Pierre. Art Basel Exhibition regroupe plus passé une centaine d'ateliers EFDA dans la région Caraïbe là avec divers pays dans plusieurs autres régions. Pendant 2 jours, Haïti a participé dans activité ça. Mercredi 4 décembre, Haitian American Historical Museum a présenté artistes contemporains haïtiens qui vivent Floride et Haïti. D'un coup, Albert Demangle, Alexandra Barbeau, Elisabeth Guérin et Latrier. Jeudi 5 décembre, Haitian Heritage Museum a présenté les 3 Jacmeliens qui mettent en valeur les artistes haïtiens. Conseil général Haïti a encouragé le public miamien pour venir célébrer la diversité à travers EFDA. Musique à Kiltinou. Jodi a manifestation pour mande démission Premier ministre pays Thaïlande lan Yingluck Shinawatra continue devant siège gouvernement dans Bangkok. Diane Bisret avec James Pierre. Manifestation te continue dans Bangkok qui c'est capitale pays Thaïlande lan pour mande démission Premier ministre lan Yingluck Shinawatra. Ayé, manifestants te dans affrontement ak policier yo devant local gouvernement côté bureau premier ministre lan ye a. C'est ak glo et puis gaz lacrymogène policier yo te poussé manifestant yo. Premier ministre la di li pa démissionné, il fait konnen li prêt pour jwenn yon solution. Jodi a manifestant yo entré dans local gouvernement, policier yo pa fè résistance avec yo parce que yo te jwenn l'ordre pour yo quitter zone nan quelques temps avant. Hier, plusieurs zones dans le pays Venezuela, dans la capitale, étaient en blackout pendant 30 minutes environ. Président Nicolas Maduro, qui a fait un discours dans le moment, dit que c'est un acte sabotage. Diane Bisret et Spencer Jeune. Notre patrie, ama. Blackout a été fait même moment pendant que président Nicolas Maduro a parlé à la population Venezuela. Un discours a passé sur plusieurs chaînes de télévision dans le pays. Plusieurs villes et plus fort quartier dans la capitale sont tombées dans le noir. Président Maduro te fait connaître ces sabotages pays étrangers. D'après ministre d'électricité a Jess Chacon, panne courant ça sorti dans la station Arenosa dans centre pays a. N'a rappelé, ça gain 3 mois, 70% pays Venezuela t'est tombé dans un gros blackout qui t'est duré 3 heures de temps. Et puis c'est dans la station Arenosa problème dans t'est tout. Yon kay ki gen 5 étages tombé hier dans ville Sao Paulo nan pays Brésil. Yo pa konnen jusqu'à présent si gen victime nan incident sa. Diane Bisret ak Spencer Jeune. Kay la te gen 5 étages et li te en construction. Li te tombé hier soir nan ville Sao Paulo nan pays Brésil. D'après sa pompier fait konnen, travaille yo te gen ta kite chantier le kay la te tombé a. Mais ça pa empêché yo penser gen moun ki en bas des combio. N'a rappelé, incident sa fête quelques jours après effondrement d'eau et stade Itaquela, après un gros fait, yo conservé pour faire construction, t'est tombé sous stade là. Ça qui était la cause 3 moun mouri.
Hier, je nous t'ai constaté Lyon n'a bien un invité avec nous aujourd'hui. Si a comme ça pendant tout mois décembre, li a bien pour parler des bilan li pour année 2013 là, pour li ba nous point de vue personnel et professionnel li sur comment li wè pays d'Haïti dans fin année là. Aujourd'hui, on a recevoir Nicole Siméon qui c'est journaliste et puis consultant. Pendant trois dernières années qui passé yo, Nicole te dirigé bureau haïtien pour ONG Panos là. M'a invité nous suivre li dans interview ça. Bilan personnel moins donc pour moi c'est un bilan positif moins vivant moins gain des rêves moins à continuer rêver et moins gain des projets que moins voulais faire que moins envie faire pour ça moi t'ai fait avant yo en majorité yo réalisé donc très sincèrement personnellement pour moi c'est un bilan très positif pour année 2013. D'un point de vue professionnel, donc, plus fort projet, moins gagné, c'est par rapport à ça. Donc, c'est plutôt pour le futur que n'a réfléchi. Mais trois dernières années, ça a eu, moi, j'ai travaillé pour Panos Caraïbes. Côté, moi, j'ai gagné l'opportunité de diriger bureau Haïtia pour Caraïbes. Côté, moi, j'ai gagné l'opportunité d'apprendre un paquet de bagailles. Et partager aussi avec l'autre monde des bagages que moi connais que mon café et sans nous pas dire que toute bagage était en forme toute bagage était bien moi vraiment pensé que c'était dans trois dernières années ça c'était trois années très positives dans la vie moi et que pas y'a aucune raison pour que ça pas continuer la liberté de la presse sujet un petit peu compliqué. Ça dépend de qui moun yo pose question hein, et ça dépend de point de vue de étude ou café de réalité hein. Moi-même personnellement pas cap parler de ni avancer ni faire bac parce que nous gagne des exemples côté oui des journalistes attaqués même si c'est des incidents mais c'est des bagages qui pas doué faites côté des commissaires de gouvernement ou bien des juges qui a osé convoquer en média juste parce que le bah, on nouvelle qui pas dans gouli. Donc tout ça c'est des petits bagailles pour nous ta essayer résoudre et surtout que nous connaît liberté de la presse c'est pas un acquis c'est pour bagaille que nous qui claque pas bouger son bagaille pour goumer chaque jour pour lui et moi penser que goumer ça dans sens ça li fait d'une manière générale dans métier en Haïti. Kounya n'a pas parlé de liberté mais moi même dit que nous pas parler de liberté sans qualité de l'information. Est-ce que Kounya tout média yo prend en compte responsabilité qualité ça que yo gagne. Point de vue pas moins c'est non. C'est non tout le monde pas fait les gens yo ta doué fait li et que gagne beaucoup de travail pour qu'il fait sous ça et li ta bon pour ta gagne ou instance régulation métier hein, pour empêcher un série de monde prend presse là tant que ça ouvre et que qui pas ca plus professionnel. Peut-être supposé gagner élection là depuis moi ça non pas gagner élection. Donc gagne des bagages qui pour fait qui pas fait et nous en pleine et effervescence populaire politique côté nous pas cachita mais peut-être nous ensemble pour nous parler de Haïti. Donc nous plus gagne l'impression que chaque monde chita y a défendre clan pa yo y a défendre projet personnel yo ou bien projet parti pa yo groupe pa yo et puis n'oublier intérêt population en général mais bon nous sorti loin et peut-être que nous si nous mettons tête nous ensemble nous ca avancer mais c'est déjà commencer mettre tête nous ensemble non et ça beaucoup gain espoir que nous envie faire les 2014 nous espérer ça aller mieux donc c'est moment résolution c'est moment définition moi gain en pile espoir si nous commencer kounya là petit n'arriver. Mais commencer hein, c'est déjà commencer chita mes têtes nous ensemble parler suspendre avec rapport de force ça qui fait que plus moins parler plus fort ou bien plus moins rester sous position moins c'est plus m'a ba impression que me fort alors que si nous toutes chita nous fait meilleur coup pas nous et que nous chita ensemble
nous ta sorti pays ça et nous ta suspend fait moun ri nous dans pays étranger et puis fait haïtien qui l'autre boy ou pas envie tourner la caillou. Zami téléspectateurs, nous pral prenons l'autre pause, n'ap retourné à actualité sportif yo avec Jacques Amboise et puis tout de suite après c'est pral mete yo pour demain mercredi. Restez branchés. Bonsoir Chinedine, bonsoir tous les téléspectateurs. Nous comptons rejoindre nous pour nous présenter la rubrique Spawn pour le mois de décembre. Coupe du monde 2014, c'est pour demain. Même si la Coupe du monde n'est pas belle, en pile dans le pays Brésil, c'est ça que fait jeudi. Nous avons tout une série de petits reportages. Nous avons présenté, nous avons commencé jeudi jusqu'à la Coupe du monde qui a pris pour jouer dans le mois de juin. Et 2014, nous avons présenté à tous les seigneurs, tout le monde qui est le meilleur buteur de tous les temps dans la Coupe du monde. Même s'il menacé pour le perdre du place à, n'a présenté Ronaldo Luis Nazário de Lima avec confrère nous dans Eurosport qui te font un dossier spécial sous Ronaldo. Nous avons donc le privilège aujourd'hui de rencontrer le phénoméno qui aujourd'hui est pleinement impliqué dans l'aventure de cette Coupe du Monde brésilienne. Nous essayons de prendre les meilleures décisions pour le développement et l'organisation de cette Coupe du Monde. Je trouve la meilleure des manières pour jouer un rôle actif dans cette Coupe du Monde afin d'aider mon pays à organiser la plus belle des Coupes du Monde. Et en dehors des terrains, Ronaldo essaye également d'apporter de la joie aux Brésiliens, lui qui a remporté deux ballons d'or en 97 et en 2002. Ronaldo qui fait partie de l'histoire de la Coupe du Monde, lui qui a participé à quatre éditions et qui en a remporté deux en 94 et en 2002. À historique, ces 15 buts marqués en Coupe du Monde, c'est une statistique importante pour moi et pour les Brésiliens. Mais les records sont faits pour être battus. Ronaldo qui a dépassé Gerd Müller et ses 14 réalisations, mais son record est sous la menace de Miroslav Klose, qui n'est plus qu'à un but derrière. Le meilleur buteur en Coupe du Monde a accepté pour Eurosport de revenir sur ses 4 tournois. On débute avec l'édition 94. Ronaldo a tout juste 17 ans. Il joue encore au Brésil à Cruzeiro lorsqu'il fut sélectionné pour cette Coupe du Monde aux États-Unis. J'ai remporté ce titre de champion du monde, même si je n'ai pas joué une seule minute. Mais ce fut un apprentissage de tout premier choix de faire partie de cette équipe de 1994 et de vivre cette expérience. C'était vraiment super et ça m'a aidé à construire ensuite mes succès tout au long de ma carrière. Après cette Coupe du Monde, sur les conseils de Romario, il file pour sa première expérience européenne au PSV Eindhoven. Il devient le meilleur buteur d'Eurodivisie dès 1995 et après deux années passées aux Pays-Bas, eh bien, il est transféré en Espagne. Il ne restera qu'une saison à Barcelone, mais il aura le temps de devenir meilleur buteur de la Liga avec 34 buts en 37 matchs. Après des problèmes de renégociation de contrat, Ronaldo décide de partir pour l'Italie, à l'Inter, avec qui il remporte la Coupe de l'UEFA juste avant la Coupe du Monde 1998. Et lors de cette Coupe du Monde disputée en France, Ronaldo n'est plus un remplaçant. Il inscrit 4 buts et offre 3 passes décisives. Son équipe atteint même la finale, mais la nuit qui précède le match face à l'équipe de France, il souffre de convulsions et il accepte pour nous de revenir sur cet épisode. Mes coéquipiers m'ont dit que j'avais eu des convulsions, elles ont duré 30 secondes et puis après je me suis réveillé. Mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Quand ils me l'ont dit, mon seul souci ça a été vraiment de faire tous les examens nécessaires pour être sûr qu'il n'y avait rien de grave, pour être sûr que j'étais en bonne santé. Ensuite, nous sommes allés au stade et j'ai joué, mais j'ai pas forcément oublié ce qui m'était arrivé. Attention, je ne dis pas que la France ne méritait pas cette victoire. Il n'y a pas à chercher d'excuses lorsque vous finissez par perdre, surtout face à l'équipe de France. Le 21 novembre 1999, durant une rencontre contre Lecce, Ronaldo sent son genou se dérober. Il doit alors se faire opérer pour une rupture du tendon rotulien. Il revient le 12 avril 2000, mais 7 minutes seulement après son entrée en jeu, il se blesse au genou pour la deuxième fois. Entre 1998 et 2002, il n'aura joué que 36 matchs en Serie A.
J'ai vraiment vécu un drame avec ces blessures au genou, la course contre le temps pour jouer la Coupe du Monde en 2002 a été une grosse motivation pour moi. Deux buts en finale contre l'Allemagne, personne ne l'avait fait auparavant. Pour moi, c'est un moment ô combien important et je m'en souviendrai toujours de cette joie unique au monde. Et après ce tournoi couronné de succès, Ronaldo rejoint les Merengues pour sa dernière Coupe du Monde. Il doit faire face à son coéquipier, justement, des Galactiques. Et pour la deuxième fois, je rencontre la France et Zidane en quart de finale. Et encore une fois, il nous a renvoyé à la maison. La France restera toujours une équipe contre qui nous avions des problèmes. Ce fut plus équilibré qu'en 98 cette fois. Ils ont eu une seule véritable opportunité. Mais tout de même, la France nous a battus et nous a encore une fois éliminés. Ronaldo qui aura tout de même remporté 2 des 5 titres brésiliens. Et est-ce que la Seleção actuelle lui paraît capable de remporter une 6e couronne? C'est une équipe totalement nouvelle, hein, avec de jeunes joueurs qui n'ont pas forcément d'expérience. Ces joueurs ont besoin d'acquérir de la maturité et j'espère qu'ils pourront le faire durant cette Coupe du Monde. L'équipe nationale du Brésil est évidemment bourrée de talent et jouer une Coupe du Monde à domicile peut être une véritable source de motivation. Ronaldo qui se fait un plaisir de jouer ce rôle d'ambassadeur et il nous donne son avis sur ce programme Brésilmania. Brésilmania pour moi c'est un cocktail de joie et d'attitude positive des Brésiliens. La passion pour le football, pour la samba et pour la joie. Attention, pour moi c'est contagieux. Et regardez Brasilmania sur Eurosport. Merci parce que vous avez regardé. Nous avons rendez-vous pour demain pour notre rubrique même genre. Solit nou pou aswe ya, ane sa pou fèt Noël la, Joe Boxer ki si yon kompanyi ki fè kalson, mette deyò yon publisite ki fèt ak instrumental Jingle Bells lan. An al gade. Merci ou même qui t'a regardé édition journal ça n'a prend rendez-vous pour demain soir dans même l'air.
Restez branchés Planète Haïti. Au revoir tout le monde.